Oui, je peux dire que le courant passe très bien, sauf que c'est la méthode de travail qui n'est pas pareille. Parce que nous avons une méthode de travail, nous partons sur la base de l'écriture avant de monter sur scène. Et nous avons aussi souvent eu besoin d'un œil extérieur, des critiques, pour juger nos sketchs avant qu'on aille montrer ça publiquement. Et parce qu'en tenant compte de plusieurs paramètres, vous voyez. Mais aujourd'hui, le problème que nous avons avec la jeunesse, c'est que tout est focalisé sur la communication. Et le fond des spectacles, c'est parfois vide. Vous voyez, ça, c'est le vrai problème que nous avons. Et facilement, les communicateurs ont leur succès parce qu'ils font un travail pour rassembler les gens à venir voir un travail. Maintenant, le rôle de l'humoriste, c'est effectivement ne pas trahir les communicateurs. Voilà. Parce que s'ils font une communication pour dire que tu es bon, que tu sors avec un spectacle de qualité, et le public vient, puis il est déçu, en ce moment, tu as trahi les communicateurs. Voilà. Donc l'artiste aussi, chacun doit faire son travail. Remplir la salle, c'est vrai, l'artiste doit travailler pour remplir la salle, mais c'est aussi le boulot du communicateur. Et l'artiste doit se focaliser sur la qualité de son travail.